toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée de lundi. Eh bien, moi, je suis un petit peu fatiguée. Ouais, non, parce qu'en plus, j'ai fait de la merde. Eh ouais, comme d'habitude. Alors, je continue toujours à retapisser la chambre de mon fils. Ouais, parce qu'en fait, j'ai acheté... Non, mais c'est super bien. J'ai acheté de la tapisserie auto-adhésive. Ah ouais, c'est trop le top. Ah ouais, non, c'est trop le top. Sauf que c'est des pierres, vous savez, c'est des fausses pierres. Donc, du coup, pour faire les raccords, c'est compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué, mais c'est long. Voilà. Et décidé de changer mon canapé lit, parce que ça fait 3 ans que je l'ai. Ouais, donc, je vous raconte ma vie, vous le savez. Et ça fait 3 ans que je l'ai. Et en fait, c'est le canapé lit, c'est le sommier et l'enfer, un grillage. Et en fait, le grillage, c'est tordu, vous voyez, en force, 3 ans, mon fils qui fait 90 kilos, ma fille, les trois en même temps, enfin bon. Et donc du coup, je dors super mal dessus. Et puis, il me prend une place énorme, parce que bon, canapé, il est top. Sauf que je le mets jamais en canapé, parce que je me mets pas sur le canapé. C'est où je m'alloge devant ma télé, du coup, ou alors je reste assise sur ma chaise, vous voyez, à table. Donc j'ai dit, je vais en acheter un autre. Donc je m'étais dit, je veux celui-là, ok, pas de souci, sur un bon coin. Et il y avait des sous, ma mère elle devait me donner 300 euros, parce qu'elle m'avait donné 300 euros, mais je les ai filés à ma fille pour qu'elle s'achète son téléphone. Donc du coup, elle m'a redonné 300 euros. Parce qu'elle a touché les pépettes, donc elle peut me donner 300 euros. Et du coup, je dis, bon, ben, vu que j'ai essayé de trouver un canapé à latte. Vous voyez, un canapé lit à latte. Sauf les canapés lits à latte, ils s'ouvrent comme ça. Vous voyez, sur le teco. Mais moi, c'est pas sur le teco. Moi, c'est comme un clic-clac qui doit s'ouvrir, comme un canapé lit. Donc, j'en ai trouvé un. Il était en promotion. Il faisait, au lieu de 1000 euros, il faisait 700 euros. Et j'ai eu 60 euros. Enfin, bon, et ça me fait 690 euros. Enfin, des trucs comme ça. Donc, c'est fait que je l'ai acheté. Sauf que j'ai pas vendu celui-là. Donc, je vais me retrouver avec deux canapés lits. Parce que j'ai dit, là, j'en profite, j'ai une réduction. Attends, peut-être d'ici un mois que j'aurai vendu ce code de lit et j'aurai pas la réduction. Voilà. Donc, j'ai nettoyé tout mon matelas. Parce qu'il était pas taché, mais il était sale, vous voyez, depuis 3 ans. Parce que les chiens dorment avec moi et tout. Enfin, bon. Et donc j'ai dit pour le faire bien nickel et tout, parce que moi si je veux quelque chose, c'est quelque chose qui est en bon état, parce que sinon je le jette, vous voyez, bon, ou alors je jette le matelas, mais je le vends sur le matelas, fait bon. N'empêche, il est bien mon aspirateur lessiveur Thomas. Ah ouais, non, franchement, il m'a trop bien fait le lit. Bon, j'ai frotté, j'ai perdu une épaule, du coup, vas-y que je frotte. Alors, avec le as, coup de d'aspirateur. Après, j'ai mis de la moquette, du produit moquette, recto verso, hein, donc frottage aussi. Ensuite, j'ai passé du vinaigre en pchit-pchit avec du bicarbonate. Donc, s'il n'est pas propre, il est plus propre. Vous voyez mon matelas, sauf que j'ai plus de bras droit. Voilà. Non, mais c'est bien ma vie. Et donc, je suis un peu fatiguée. Voilà. Donc là, en plus, hier, je suis allée à IKEA et ma mère pour voir pour ses meubles, puisqu'elle veut changer ses meubles. Donc, il va falloir que je lui monte. Oui, parce que c'est moi l'homme de la maison, vous comprenez. Donc, je vais monter les meubles. Donc, voilà, en ce moment, c'est un peu overbooké, le truc. Donc, aujourd'hui, nous allons faire Marseille, parce que beaucoup d'articles. Alors, j'ai plus de batterie. Je sais pas, je vais essayer de voir de la tourner. J'espère que ça va marcher. Oui, ok. Non, parce que du coup, voilà. Et ouais, j'avais plus de batterie. Pour revenir à mon canapé, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est à latte, donc il s'ouvre comme ça. Bon, c'est de la merde, hein. Il s'ouvre comme ça, et il y a quand même un truc de rangement. Donc je pourrais mettre, s'il y a du monde qui vient, ma couette, mon plaid, mon traversé, mes deux coussins. Ouais, non, parce que là, j'ai même fait les housses de mon scooter et je les ai cousues, parce que j'ai une machine à coudre. Donc du coup, je me suis fait deux belles housses. Avec petit harnais, petit élastique avec le crochet et tout. Oh non, mais bien haute dimension. Là, il est sur mon scooter. Il est trop beau, mon scooter. Bon. Alors, nous allons faire d'abord tout ce qui est, on va dire, trafic. Ok? Trafic, fait divers. Et après, on finira sur des trucs un peu plus légers, on va dire. Bon, on part toujours du plus ancien au plus récent. France3Région.FranceTVInfo.fr Cruauté, sauvagerie, hyperviolence. Des anciens procureurs de la République racontent leur expérience à Marseille. Ah non, mais moi, je vous dis, vous vivez à Marseille.
surtout en étant née. Ah, oh, j'ai perdu mon câble. Ouais, parce qu'il faut dire que l'embout, il est un peu tordu. Voilà, il est un peu, vous voyez, non, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, il fait S. Eh ouais. Non, on prend vachement soin des affaires, nous, ici. Alors, on va essayer de le mettre dans l'autre sens. Peut-être ça va tenir un peu mieux. Donc, je disais que quand on est à Marseille, ouais, c'est un peu comme si vous faisiez Koh-Lanta depuis votre naissance, vous voyez. Il faut savoir se démerder. Et d'ailleurs, même celle qui s'occupait de moi, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, enfin, on s'en fout. Et elle nous disait, oui, c'est vrai qu'ici à Marseille, c'est bizarre quand même, la vie, elle n'est pas pareille qu'ailleurs. Si peut-être, oui, peut-être pour ça. Alors, c'est la pollution. Eh ouais, c'est la pollution. Dans son nouvel ouvrage, Procureur en France, qui vient de paraître, le journaliste indépendant Jean-Michel Verne réunit les témoignages de 11 procureurs de la République, dont 4 anciens magistrats à poste à Marseille. Eh ouais. Terrorisme, drogue et violence. Non, ça va. Marseille, une ville à part. Ah bah oui, c'est sûr. Ben, je vous dis, ce qui se passe à Marseille, ils veulent le faire sur toute la France. C'est ça que vous n'avez pas compris encore. La justice engorgée jusqu'à l'asphyxie ne parvient plus, faute de moyens, à gérer le flot de 3 millions de procédures endormies qui s'amassent dans les commissariats. Ah bah ouais, tu parles. Non, mais alors attends, les moyens humains. Eh ouais, du coup. Eh ouais, on voit très bien qu'à partir des années 2015, il y a une fracture, on a des problèmes du terrorisme qui deviennent de plus en plus importants. D'accord. On a des problèmes de drogue, ah oui, non, ça surtout, qui gangrènent la société française, oh oui, effectivement, à tous les niveaux. On a des problèmes de violence intrafamiliale, oh oui, qui ont augmenté de 70% en 2 ans. Oh mon Dieu, ce Covid! On a la consommation de cocaïne qui augmente de 30% en Europe. Oh, ben, c'est sûr, vu tout ce que j'ai raconté dans ma vidéo d'avant sur la justice, ah ouais, non, mais c'est sûr. Eh ouais, c'est Marseille. Non, on a eu beaucoup de feux d'artifice pendant la Noël. Marseille, arrestation de 24 personnes susceptibles d'appartenir au gang Didi Mafia. Oui, alors, mais... Il y a aussi les Yoda. Nouveau coup de filet. Ah oui, il y a aussi, comment il s'appelle, Darmanin. Qu'a dit que les points de deal, ils avaient diminué de 4%, 40%. Vous savez qu'ils avaient réussi à pilonner par pilonnage. Et que du coup, ça avait baissé de 40%. Alors déjà, 40%. Oui, parce que quand ils y vont une fois, deux fois, trois fois. Là même, par exemple, au bâtiment A. Et puis du coup, la quatrième fois, ils y retournent, il n'y a plus personne. Pour eux, ça y est. Il n'y a plus le point de deal. Vous voyez? Voilà. Ou parce que maintenant, il paraît que ça se fait à domicile. Ouais, mais là, sur Instagram, Snapchat et tout, tu peux, mon pote, il m'avait montré, tu peux choisir ce que tu veux. Tu vois, et après, ils viennent te le livrer à la maison. Eh ouais. Là, ils sont pas cons, hein. Eh, tu sais, la nature, elle a horreur du vide, hein, tu vois. Le gang de la Didi Mafia a été interpellé ce mardi par la police à Marseille. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous avez vu, il se laisse pousser la barbe. Ah ouais, pour faire un peu plus mec, tu vois. Eh ouais. Ouais, tout ça, c'est pour ça comme ça. Alors. Ah, c'est le GDD, bien sûr. Cité Fontvert et les Marronniers. Ah, d'accord. Et dans le quartier de la Visite. Non, c'est de la Viste, je pense. C'est quartier La Viste, chérie, c'est pas la Visite. Ouais, non, non, c'est pas la Visite. Ça n'existe pas, la Visite, je crois, ici. Hein. C'est la Viste. Hein. Tu connais même pas, tu parles, tu fais. Tu fais un reportage et tu veux expliquer aux gens ce qui se passe à Marseille, mais tu n'es pas capable de mettre le bon nom de quartier de ville. Non, là, le bon nom de quartier de ville. Alors, le chef du gang Didi Mafia, Mehdi Abdelatif, elle, surnommé Tic, ah oui, non, c'est mieux, n'aurait toutefois pas été arrêté. Ah, et ouais. Ah, ben, ça, c'est un peu con. Ah, ouais. Ouais, tu as arrêté que les... Elles sont en dessous, toujours. Eh ouais, non, c'est sûr. Eh ouais, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Eh ben, ça va, c'est bien, parce que c'est compté dans le PIB. Hein? Donc, ça va, c'est pas grave. Au plus ça rapporte, au mieux c'est. Eh ouais, non, mais c'est sûr. Eh ben, justement, vous voyez, quand on parle du loup, on vit l'enfer. À Marseille, les habités de la cité Fontvert en première ligne face aux trafiquants de drogue. Oh, mais je croyais qu'ils avaient arrêté, que ça y est, c'était fini à Fontvert. Et à la Visite. Hein? Non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est ça, hein. Eh ouais.
Eh ben non, vous voyez comme quoi, hein, c'est con, hein, parce que je crois que c'est 2 semaines après le reportage. Une opération de nettoyage de type place nette a été menée ce mercredi matin par la police dans cette cité du 14e arrondissement, territoire autoproclamé de nombreux trafiquants qui y ont élu domicile depuis plusieurs mois. Ben, c'est-à-dire, ils vivent là aussi. Hein. C'est un peu pour ça qu'ils ont élu domicile, peut-être parce que c'est leur domicile en fait. Non, parce qu'ils habitent au-dessus, c'est tout. Ouais, ouais, non, ou alors en face peut-être, tu vois, mais bon, ça s'arrête là le périmètre, tu vois. Avant, on était tranquille. Ah bon? Tu habitais où? Dans quel quartier de... Enfin, dans quel bâtiment de fond vert? Non, parce que moi, je t'explique, à 18 ans, donc tu vois, ça remonte quand même un petit moment, les mecs de mon quartier, ils allaient toucher là-bas. Il y a toujours eu du trafic de shit à fond vert. Non, je t'explique. Hein, non, mais là, ils ont dû prendre... Ah, voilà, arrivé à fond vert en 2016. Eh ouais, non, voilà, c'est pour ça. Eh ouais. Ah ouais, il a dit, j'en veux. Ah ben, il fallait venir en 1990. Eh ouais. Tu vois, 90, 95, même 85, je pense. C'était au lieu du trafic de drogue, tu vois. Non, non, mais ils vont toujours t'interroger le mec qui... Ah, avant, c'était pas comme ça, hein. Ah oui, non, non, ça a toujours été comme ça. Hein. Voilà, ben, écoutez, donc, Darmanin, notre ours... Français, il n'a pas réussi à aller de louche. Eh ouais, non. L'association marseillaise La Vague Bleue, 13, détournait les sous de l'État et d'un député, les dirigeants condamnés. Oh, et qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Pour organiser des matchs de foot à destination des jeunes habitants de la cité de la Marine Bleue dans le 14e, à Marseille. Ah bah c'est à côté. Ah ouais, j'y passe tout le temps devant. Non, ça va, c'est tranquille à la Marine. T'as la marine bleue et derrière t'as la marine blanche. Ouais, c'est très recherché comme un homme, tu vois. Alors, les dirigeants de la Vague Bleue ont été condamnés pour escroquerie. Entre 2013 et 2017, ils ont indûment perçu... Ah ben, un petit trop perçu. Oh, tiens, va 20 000 euros d'argent public. Ah ouais. Partie du bilan comptable trafiqué, dont une grande partie issue de la réserve parlementaire d'Henri Gibrayel, député socialiste entre 2007 et 2017, ainsi que deux subventions ministérielles sans tenir de compte. Retrait en cash, dépenses non justifiées. Oh bon, oui. Non, c'est bien. Ah ouais, non, il n'y a pas qu'en France, hein, y a aussi à Marseille. France3Région.FranceTVinfo.fr, un groupe de criminels, assassins et trafiquants de drogue démantelés à Marseille. 21 interpellations en France. Non, mais dis pas que c'est Dizzy Mafia, parce que là, je suis mort de rire. Alors, des mineurs de banlieue parisienne recrutés à Marseille. Non, c'est-à-dire, c'est eux qui viennent chercher du boulot. Ah ouais, non, donc du coup, ils les recrutent. Ah oui, non, parce que tous ceux qui faisaient les Marseillais sont en prison. Ils se sont pas arrêtés par Darmanin, donc ils prennent ailleurs, tu vois. Ah ouais, non, non, mais... Les interpellations ont eu lieu à Marseille, en banlieue parisienne, en région lyonnaise et dans l'Aisne. Un mineur a été arrêté, 9 personnes, 7 hommes et 2 femmes, ok. Voilà, bon, je sais pas qui c'est, hein. Non, parce que normalement, ils ont des noms. Mais là, non. Ouais, non. Ah, ils ne doivent pas avoir dénoncé le crime. D'accord, ok, bah écoutez. Des illustres inconnus qui resteront inconnus encore. Ouais, ouais, non, mais... France3Région.FranceTVinfo.fr. Grenades, fusils, carabines et plus de 1500 punitions. Munitions. Les douaniers saisissent un important stock d'armes chez un collectionneur à Marseille. Ah ouais, il collectionnait beaucoup. Ah là, je dirais même que c'était une passion. Tu vois, non, non, mais... Les douanes ont découvert 26 armes et 1552 parties d'armes ainsi que des munitions chez un particulier ne détenant pas les autorisations nécessaires. Ah ben oui, là c'est limite les militaires, tu vois le truc? Ah ouais, non, non, mais... Ah, d'accord. L'enquête a débuté sur Internet. Alors, le CRPC ont repéré le suspect sur des sites de vente d'armes en ligne. D'accord, ok. 7 grenades et 10 chargeurs de PM. Non, ça va. Non, ici les fruits, les grenades.
de fusil, 5 armes de poing et 24 pièces détachées, catégorie B, soumises à autorisation, 10 fusils, une carabine et 1715 munitions et 3 pièces détachées, catégorie C, soumises à déclaration, ainsi qu'une arme artisanale. Ah ouais, bientôt, il veut dire des armes en 3D, tu vois. Ah ouais, il nous montre. Ah, un joli couteau. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, des chargeurs. Ah ouais, ouais, c'est bien. Donc bon, là, c'est une petite partie, hein, parce que du coup, il y a 4 couteaux, 3 chargeurs, 2 pistolets et une boîte de munitions, tu vois. En 2022, 1135 armes ont été saisies par les... Oui, non, mais d'accord. Mais là, c'était le seul mec qui avait mis 1135 armes, tu vois. Donc ça n'a aucun... En fait, toute l'année, vous avez... En un jour, vous avez récupéré toute l'année, quoi. France3region.francetvinfo.fr. Deux agents de la préfecture des Bouches-du-Rhône jugés pour corruption et aide au séjour irrégulier à Marseille. Putain, on n'en a pas assez, s'il te plaît. On n'en a pas plus, ouais, on n'en a pas plus. On sait que je suis à Ranjan. Ah ouais, non, ça c'est sûr, la communauté turque. Ah ouais, nous ici, il y a énormément de Turcs et de Kurdes en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Alors, la fraude visait à faire échapper aux couperets Dublin. Une procédure consistant à renvoyer l'examen d'une demande d'asile au pays où l'étranger a été enregistré à l'entrée sur le territoire européen. Le dossier était alors traité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le demandeur obtenait une attestation autorisant un séjour temporaire régulier. Des dizaines de dossiers frauduleux. Bon oui, j'ai touché 9000 euros, soit en faisant quelque chose, soit en faisant rien. Non, c'est pas vrai. Soit en faisant croire que je faisais quelque chose, oui c'est ça. Je suis trop forte. A reconnu le fonctionnaire radio en mai 2021. Les enquêtes administratives ont recensé 11 dossiers frauduleux, mais, précise le juge d'instruction, il s'agit d'une estimation basse. L'enquête administrative réalisée ayant révélé qu'au moins 10% des dossiers traités par Abdallah Ibrahim présentaient une anomalie. Ah non, soit je faisais quelque chose, soit je faisais rien. Non, non, c'est pas ça. C'est soit il disait qu'il faisait quelque chose, mais en fait, il faisait rien. Ouais. Oh my god, ah ouais, ah ouais. Marseille, mécontent d'avoir reçu une contravention, un automobiliste percute une moto de police. Bon oui, eh ouais, pour stationnement interdit. Eh ouais, parce qu'on n'a plus l'habitude, c'est pour ça. C'est ça que tu n'as pas compris, c'est qu'on n'a plus l'habitude. Attends, pour nous maintenant, c'est une agression, tu viens nous mettre une amende. Attends, on se gare tout, n'importe où en fait. Oui, oui, non, on se gare n'importe où, nous. Donc c'est vrai que du coup, quand Dévier, il te met une amende, tu de faire, attends, mais tu es malade ou quoi? Ah ouais, en plus, en sachant que tant peut-être qu'il lui a mis une amende, alors que tout autour, il y en avait encore 50 de mal garés, tu vois, donc tu le prends perso, tu vois, tu te dis pourquoi moi en fait, alors qu'il y en a 50 de mal garés. Non, non, mais, ah, municipal, ah, pourquoi ils sont en moto aussi? Ah ouais, ah, les scooters, les mouettes, comme on disait avant. Aucune personne n'a été blessée. Ouais, il lui a dû lui mettre un petit coup. Oh, ça va, le pare-choc. Non, mais n'empêche, ça te fait tomber. Ben, au catalan, ah, ça se démocratise. Non, le catalan, c'est le 7e. C'est là où il y a tous les fachos de Marseille. Fait, qu'il y avait tous les fachos de Marseille. Alors, mais là, ils sont dans la merde parce que du coup, ils sont remplacés, les vieux qui meurent, par des bougnoules et des bamboulas. Et surtout des mougnoules. Donc, ouais, les mecs qui sont encore vivants, ils flippent, tu vois, voilà. Eh ben, on va faire celui-là, parce que celui-là, il en avait parlé, je crois, F2 News. Marseille, l'acteur Dylan Robert, mis en examen pour assassinat en bague d'organiser et tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Eh ben, vous savez que, du coup, j'ai regardé la dernière fois sur YouTube une chaîne, et en fait, il marquait, le mec, c'est français, hein, il donnait tous les noms, enfin, pas tous les noms, une partie des noms des gens qui avaient fait de la prison... aux États-Unis, qu'après était devenu acteur. Ah ouais, le plus qui m'a étonné, c'est Mark Wahlberg. Ah ouais, 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 carrément raciste et tout. Ah ouais, non, non, parce qu'il a frappé des Noirs, des Chinois, des... Ouais, ouais, ouais. Ça sera le meilleur espoir masculin en prison, en 2019. Ah ouais. Le comédien de 23 ans est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de l'adolescent Ryan, à Marseille, en 2021. Alors, d'avoir conduit le scooter qui transportait l'auteur de l'assassinat de l'adolescent de 14 ans dans la cité des Marronniers, dans le 14e arrondissement de Marseille. D'accord. Le passager avait sorti son arme longue de type fusil d'assaut et visait un point de guet à l'entrée de la cité abritant la revente de stupéfiants. Les tirs avaient alors atteint Ryan. Ah oui, 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 je me rappelle. Deux autres mineurs avaient été blessés ce soir-là par les tirs. Oui, c'est ça, il était venu acheter ça. Oui, bien sûr, oui.
Oui, pourquoi ils vendaient des sandwichs à la cité des marronniers? C'est nouveau. Je te jure, non, mais mort de rire. Oui, comme par hasard. Alors, déjà, il n'y a pas de baraque à sandwich, ma chérie. Non, non, mais déjà, donc si tu descends acheter un sandwich, c'est obligatoirement en voiture ou en scooter, tu vois. Donc, tu descends pas à pied. Et en plus, si tu passes pas devant les marronniers, tu vois, il y a des chemins vachement plus courts, tu vois, pour aller une soi-disant peut-être baraque à sandwich. Enfin, je sais rien. Mais bon. Ah, Dylan Robert a déjà été... Ah, il est récidiviste, d'accord. A déjà été condamné à 30 mois de prison pour des vols avec violence fin janvier 2022. Eh ouais. Bon, après, ça n'empêche que peut-être il a une très bonne... C'est un très bon acteur. Peut-être un futur Depardieu, tu vois? Ou Alain Delon? Non, non, parce que peut-être en ce moment, ils nous prennent la tête avec Alain Delon et Depardieu. Enfin, je sais pas, je vois pas ce qu'ils ont fait de leur vie, tu vois? Non, non, mais mort de rire. L'autre, Alain Delon, il a fait 3 films. Non, non, mais alors, Le Passage... Ouais, d'accord. Il a fait la piscine. Ouais. Le passage pour aller à la piscine. Ça fait mort de rire. Non, non, mais. Et l'autre, Depardieu, quoi. Son film avec Devers et Miu Miu, c'est ça? Non, non, mais mort de rire. Attends, la chèvre. La chèvre. Oui. Me faisait rire parce que c'était le mec, il était, vous voyez, de marbre. Avec, un peu comme l'emmerdeur avec Lino Ventura et Jacques Brel, vous voyez. C'était un peu le même. Voilà, c'était un peu le même truc. Mais lol, c'est pas passé carré. Qualité d'acteur, qu'est-ce qu'il a fait comme film, quoi, Cyrano de Bergerac, Obélix, non, je sais pas, un monument de la, non, mais c'est lol, mais tu l'as vu Dustin Hoffman, tu l'as vu Al Pacino, tu l'as vu Robert De Niro, tu l'as vu Pierce Brosnan, bon, c'est pas un Américain de pure souche, mais bon, c'est une blague, là, hier, on a regardé la fin de Death Business avec Jimmy Foxx et Tommy Lee Jones. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Tu l'avais, Jamie Foxx, quand il joue et tout. Mais c'est de la bombe. Lol, Depardieu! Allez. Les Français étaient fiers de ça. Ah, ben, putain. Allez, on continue sur ça. Trafic de drogue à Marseille. Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police, évoque une mexicanisation des règlements de compte. C'est-à-dire. Non, je sais pas, tu appelles quoi? À ce moment, on est beaucoup favela et mexicain. Hein? Alors, ouais, je reprends les, oui, tu reprends les termes du procureur. Eh oui, je crois que on n'est pas loin des C4. Ouais, charnier de la police. Le travail acharné de la police. Alors, on est toujours présent. Ouais, on fait des interpellations qu'on n'avait jamais fait. Oh là! On n'a jamais saisi autant d'armes. D'accord, on n'a jamais saisi autant de stupes, on n'a jamais interpellé autant de trafiquants. Et pourtant, on se raconte que ces règlements de compte se répètent à l'ensemble. Ben ouais, ça n'a aucun rapport, en fait. Ce que tu arrêtes, c'est les petits dealers en bas des cités, c'est pas ceux qui tirent sur les autres mecs, tu vois. On est au-dessus, tu as vu? Alors, eh ouais, comme le parking de McDo, eh oui. Eh ben, c'est-à-dire, ils vont les prendre là où ils sont, hein, en fait, tu vois. Et si le bon moment, c'est pendant qu'ils sont en train de bouffer un Big Mac. Ben ouais, ils vont tirer sur le Big Mac. Ils vont tirer sur le McDo. Ah ouais, non. Quoi qu'ils pourraient tirer sur le Big Mac aussi. Ouais, non, non, parce que... Ah ouais, non. La bijouterie Cléor des terrasses du port à Marseille, cambriolée, laprovence.com. Les voleurs sont ressortis sans difficulté du centre commercial. Oh oui, bon oui, la porte était ouverte. Voilà, mais... Trois individus auraient profité d'une vitrine ouverte pour rafler son contenu juste avant la fermeture. Je te dis pas la personne qui s'en occupait, c'est moi. Ils sont ressortis du centre commercial sans être inquiétés avant que, prévenus par le personnel de la boutique, le PC sécurité des terrasses du port ne contacte la police. Eh ouais, le préjudice du vol n'est pas connu. Ah ouais. Quelques jours auparavant, c'est une bijouterie du centre-ville rue Paradis qui avait été ciblée. Armés, cette fois-ci, les braqueurs avaient pris la fuite avec des bijoux et des montres de luxe. Ah ben oui, non, c'est sûr, pas avec du saucisson et des baguettes de pain, sans doute. Ah, des fois, ils vous a... Ben oui, c'est sûr. Le Figaro.fr. Mettre les trafiquants dans l'insécurité. Dans le sud de Marseille, cette nouvelle unité pilonne les trafics de drogue. Créé, alors déjà dans le sud de Marseille, il n'y a pas trop de trafic de drogue. Non, enfin, oui, il y en a, bien sûr, parce qu'il y en a dans tout Marseille. Mais je veux dire, c'est pas les cités, c'est surtout les cités des quartiers nord, tu vois. Non, parce que dans les sud, il y a quoi? Les Cayolles, la Cayolle, mais c'est tout, quoi. Fait, enfin, ouais, de toute façon, tout le monde de trafic, hein, à Marseille. Mais
Alors, créée en novembre, l'unité de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine porte déjà ses fruits avec de nombreuses interpellations, saisies de drogue et d'armes à feu dans les cités des quartiers sud de Marseille. Et c'est où alors pour eux les quartiers sud? Ah, il y a 4 ans, ils ont... Ah d'accord, ils ont constitué une unité similaire dans les quartiers nord. Ah ouais, on a vu? Eh ouais, non, on a vu. Ah, c'est en... elle travaille en régime cyclique. C'est-à-dire qu'elle travaille du lundi au dimanche, donc 366 jours par an. Oui, bien sûr, j'allais t'en parler. Les quartiers sud de Marseille sont un peu plus préservés des trafics. Ouais, c'est pour ça qu'ils y vont. Là, parce que dans les quartiers nord, ils n'ont pas réussi. Donc, ils essayent dans les quartiers sud. Vu qu'il y en a moins, ils se disent peut-être qu'il y en... Et c'est un peu plus calme, vous voyez. Donc, ils se disent peut-être que là, on va pouvoir faire quelque chose, tu vois. Bel Air, La Sauvagère ou Château Sémou. Ouais. Ah, t'es pas allé au Cayolle, d'accord. Eh ouais, non, c'est sûr. 25 kilos de... 25 kilos de drogue ont été saisis dans les quartiers sud au cours du mois. Ça fait même pas 1 kilo par mois, par jour. Ah non. Contre 3,8 kilos en 2022. Ah bah oui, c'est sûr. Ça fait 800 grammes par jour. Ah, ils ont chopé 800 grammes par jour. Oh, vous voyez, comme quand vous faites la division de suite, c'est ridicule. Ah non, parce qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, 25 kilos, putain, ouais, c'est trop chaud. Non, non, ça fait 800 grammes par jour. Non, non, mais mort de rire. Ensuite, ça fait bien. Ça fait une savonnette, quoi, tu vois? Alors. Ah, non, ici, on va le faire à... Ouais. Bon, allez, on continue. Avantage en nature, salaire versé en liquide, la gestion catastrophique du deuxième club de football de Marseille épinglé. Oh, bon, oui. C'est quoi? L'Atlético Marseille. Ancien GS Consola. Ah, d'accord. D'accord. Ah, putain. Ah, non, je ne le savais pas. Alors, attendez, attendez. Dans un rapport rendu public ce lundi 18 décembre, la Chambre régionale des comptes épingle la gestion catastrophique de l'association sportive Marseille Consola Nord qui porte l'Atlético Marseille. Dans l'entourmente depuis des années, le club repris en 2018 par Cyril Hanouna n'a pas su redresser la barre. L'association endettée à hauteur de 800 000 euros a finalement été placée en liquidation judiciaire. Oh, mais ça alors? Vous voyez comme quoi vous apprenez des trucs. Ah, Cyril Hanouna, il est venu là. Ah ben oui, ben c'est le copain de Macron, et Macron, il aime Marseille. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il aime Marseille. Alors, Marseille, un homme refuse de payer ses achats et percute un agent de sécurité. Un individu a pris la fuite après avoir percuté un agent de sécurité dans un magasin de bricolage. Il refusait de payer ses achats. Ah non, moi je croyais que de supermarché. Ah non, un magasin de bricolage. D'accord. Où? C'est marronnissant. Alors, un homme, vers 11 h, un homme s'est rendu dans un magasin de bricolage pour faire quelques achats. Après avoir refusé de payer, celui-ci est monté dans son véhicule. Trois agents de sécurité lui ont alors fait face pour l'empêcher de partir. Cela n'a pas arrêté l'individu, bien au contraire, ce dernier a accéléré, a percuté l'un des agents dans sa fuite. L'homme a été traîné sur plusieurs mètres, blessé, il a été évacué à l'hôpital. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas rigolo pour l'agent de sécurité, peu cher, hein, parce qu'il doit être payé 1 500 euros, lui. Donc, ben, il fera plus agent de sécurité. Enfin, en tout cas, il le fera, mais il réfléchira avant d'essayer d'intercepter un susceptible voleur. Tu vois, ouais, non, mais. Marseille, une femme échappe à ses proxénètes lancés à sa poursuite. La victime, qui a quitté son hôtel à bord d'un Uber, a été prise en chasse par trois de ses ravisseurs au volant d'un SUV, finalement interceptée par des agents de la BAC. C'est une course-poursuite qui aurait pu très mal se terminer. Charles Nédélec, dans le premier arrondissement, suite à l'appel d'un chauffeur VTC, l'homme qui venait de prendre une femme pour une course était pris en chasse par un imposant SUV conduit par trois hommes menaçants. D'après une source policière, le chauffeur s'est alors rendu devant le commissariat de police du premier arrondissement, faisant fuir les malfaiteurs. Ces derniers ont été finalement interceptés par un équipage de la brigade, de la BAC, après avoir abandonné leur véhicule à proximité de la gare Saint-Charles. Prostituée de force depuis 2 mois dans un hôtel. Non, c'est bien. De retrouver sa famille basée. Ah, d'accord. Elle est basée. Ah, parce que maintenant, on est basé à Tarascon. D'accord. Dans les Bouches-du-Rhône. Tiens, on va faire celui-là. Marseille. Deux agents du MUCEM dénoncent le management du directeur ex-conseiller de Macron. Non, ici, enfin, ils sont très zen. Ils sont très, vous voyez, comment on appelle ça? Qui suivent les, voyez, les protocoles, les... Oui, non, non. Pierre-Olivier Costa voit son management
mise en cause par une partie du personnel qui l'accuse dans une lettre de mettre à mal le projet scientifique du musée. Bon, oui, bah oui, de toute façon, ils sont là pour le chaos. Là, je t'explique. Non, mais si tu n'avais pas encore compris, tu vois. Un an après sa nomination à la tête du MUCEM à Marseille, l'ex-conseiller, alors ça, moi, ça descend, d'Emmanuel Macron, Pierre-Olivier Costa, voit son management mis en cause par une partie du personnel. Alors, nous avons acté collectivement de dysfonctionnements anciens, mais aussi très récents. Ok ? Souffrance au travail. Non ! La missive signée par des représentants de syndicats Sud Solidaire. Ouais, il n'y a que eux. Pendant les manifestations du pass vaccinal, il n'y avait que eux comme syndicat. A également été envoyée au ministère de la Culture. Pierre-Olivier Costa a pris en novembre 2022 la direction du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Hein ? Aucun rapport à la choucroute, hein ? Situé au bout du Vieux-Port à Marseille, l'accusant de ne pas avoir su prendre la mesure de la souffrance au travail, oui, alors, hein, explique avoir mené une enquête collecte auprès de l'ensemble des agents du MUCEM fonctionnaires. Parmi les dysfonctionnements pointés, il déplore notamment la mise à mal du projet scientifique de l'image du MUCEM et disent regretter amèrement que soit systématiquement opposé le contenu scientifique et le contenu émotionnel et que la richesse apportée à leur établissement par le monde de la recherche et de la création soit jugée élitiste. J'ai pas compris. Des décisions peu claires, des horaires de répétition difficiles à tenir. Eh ouais. Management parfois toxique. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est sûr. La manite phalloïde. Ah ouais, non, mais Macron, c'est la manite phalloïde. Ah ouais, non. Ah voilà, on va finir par celui-là. Marseille, un dromadaire s'échappe d'un zoo et perturbe la circulation. Oh ben non, ça faisait pittoresque. Fallait le laisser, ça aurait fait une petite attraction. On aurait dit, ah ça y est, on y est. On est bon, on a tout, les palmiers, les habitants et la faune. Eh ouais. L'animal qui appartenait à un cirque installé dans la ville, je croyais qu'il voulait plus de cirque. Voyons. A empêché de nombreux automobilistes de circuler ce lundi avant d'être récupéré par ses propriétaires. Il était où? Dans les quartiers nord. Et les gens qui sont morts de rire de voir ça. Non, mais l'hilarité des gens. Ah oui, dans le 15e, c'est pour ça. Eh ouais. Oui, je sais, parce que nous, alors le cirque Benzini, ah oui, non, alors ça va, oui, mais c'est ça, c'est celui qui était venu là, je crois, que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, qu'il y avait une chèvre à moitié morte, qu'il y avait trois petits chamois, alors bon, bien sûr, tu avais tous les clans d'eau qui venaient leur apporter des carottes et des machins, ouais, là, parce que du coup, ils se retrouvaient au pays, tu vois, non, c'est bien, mais pêcheur, il te faisait trop de la peine, et là, il dit rien, païen, ah ouais, non, là, il dit rien, ah ouais, c'est le cas du cirque Benzini, mais en tout cas, il y était. Ah ouais, non, tu n'as pas fait comme l'autre, là, le cirque que tu l'as fait tourner pendant des mois et des mois. Ah ouais, non. Voilà, eh ben écoutez, on a fini sur ça, sur notre dromadaire. Bon, ben écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette vidéo. La prochaine, samedi, et je ne sais toujours pas ce que je vais faire, parce que là, du coup, je ne vais pas la tourner la même journée, puisque je tourne plus que deux vidéos max, parce que mon cerveau, après, il fume. Et prochaine vidéo samedi, ça sera une surprise et une surprise. Oui, non, une surprise. Ouais, non, je sais, mon accent, il est pas top. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.